Thank you.
place, Seigneur, afin que Dieu ressemble à toi. Oh, tu es notre berger, tu es notre maître, notre souverain berger. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Que ton nom soit unifié, notre Père. Parce que répond à ta présence, tous ceux qui croient, gloire à toi, notre Dieu. Nous sommes à toi, Seigneur. Parce que tu règnes dans le ciel, tu domines sur la terre. Et sous la terre, Seigneur, ton nom est grand. Que ton nom soit exalté, notre Dieu. Nous t'abandonnons, au Fils, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Parce que tu es tout pour nous, notre Seigneur. Nous avons tenté, Seigneur, mon Père. Nous avons essayé de tenter. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait dans nos vies? Seigneur, nous ne sommes même pas capables de pouvoir affronter le monde, mon Dieu. Parce que c'est tellement grand, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Mon âme te loue, mon âme t'exalte, Seigneur. Parce que quand je considère le prix que tu as payé pour moi, Seigneur, aucun homme n'était capable, aussi riche soit-il, mon Sauveur, personne ne pouvait payer ce prix, Seigneur. Mais tu as payé le prix de mon achat, toi mon bon rédempteur, toi mon maître, mon divin Sauveur, à toi la gloire, mon Dieu de droit. Je te donne la vie, Seigneur, à toi la vie, mon âme, Seigneur, tout ce que je suis, mon Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur, ce soir encore nous sommes venus, mon Dieu, pour te chanter, te louer, t'adorer. Et tu aimes d'être adoré, tu aimes d'être glorifié, tu aimes d'être célébré, parce que tu es le seul ennemi, tu es le Dieu tout-puissant. Merci, notre Père, parce que tu es le de nous. Garde-moi le cœur de ta main, Seigneur. Ton cœur se sent réjoui au travers des chandelles grandies. Mais nous voulons encore nous réjouir, Père, à l'écoute de ta parole, mon Sauveur. Viens nous parler, Seigneur. Viens toucher nos cœurs. Viens te révéler à nous. Tu nous aimes, Seigneur. Comme un Père parle à ses enfants. Tu es venu ce soir, Père, pour nous parler encore. Pour nous corriger, pour nous instruire, Seigneur, pour nous vivre nos yeux, afin de tout complètement en dehors de mon père. Bénis ton serviteur, par la bouche que tu vas nous parler. Seigneur, tiens-le dans le cœur de ta mère. C'est ton instrument à toi, mon Dieu. Qu'il soit conduit par toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Prends le contrôle de tout mon Dieu. Bénis mon frère avec ma soeur. La profondeur, la paix, la profondeur. J'ai élevé le soir dans le cœur. Pour que nous puissions recevoir encore la parole de vie ce soir, mon Dieu. Viens nous parler, Seigneur. Nous savons que tu es là, Seigneur, car la lumière nous ressemble à sa voix ton nom. Tu es là, présent, mon Dieu, et ta présence ne fait jamais défaut, Seigneur. Viens nous bénir ce soir, viens nous visiter, mon Dieu, viens nous réjouir, Seigneur. Oh, merci pour les chants, merci pour les grandis, afin de nous être là, Seigneur. Nous approchons de toi avec respect, Seigneur, parce que tu es le très grand, tu es saint, tu es saint, tu es saint, Seigneur. Oh, oui, Seigneur, mon Dieu, accorde-nous ta grâce, mon Père. Seigneur, en laisse pas de toi, Dieu, mais que les langues soient dans des bonnes dispositions pour recevoir ce que tu as pour ce soir, à cause de cette grâce, mon Dieu. Seigneur, bénis soit ton nom. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, et même pour ceux qui sont en connexion ce soir. Nous savons, Seigneur, notre Dieu, que toi tu les as aussi visités, mon frère, que nous puissions nous sentir bien à l'aise dans ta présence, mon Dieu, pour moi. Regarde-nous, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, bénis mon cœur, Père, à toi l'adoration, à toi l'amour, mon Dieu, à toi toute la puissance et la majesté. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu vois nos cœurs qui sont répandus devant toi, nos cœurs sont ouverts devant toi. Seigneur, nous puissions nous connaître, nous nous éprouvons de voir et non. C'est chiant, nous comprenons nos cœurs, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur. Viens nous louer, mon Père. Viens nous réjouir, mon Sauveur. Oh, merci, Seigneur, pour la liberté que nous attend. En Jésus-Christ, notre Seigneur, nous te louons, Père, et nous te remercions, notre Seigneur. Moi, nous te louons encore, que le service ce soit, mon Père. Reçois ce que tu as répondu, Dieu, et reçois ce que tu as préparé pour chacun de nous encore ce soir. Accorde-nous ta grâce, mon Dieu, et nous sois dans ton cher. Nous mangeons dans la foi, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous te remercions, et nous sois ton nom. Alléluia. Et nous sois-tu, Seigneur. Merci, mon Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oui, Seigneur, pour t'adorer, parce que tu le mérites vraiment. Alléluia. Oui, Seigneur, accorde-nous vraiment, Seigneur, de nous approcher de toi. Parce que nul n'est comme toi, éternel, notre Dieu. C'est avec respect, avec crainte, Seigneur, que nous ouvrons nos bouches pour t'exalter. Seigneur, parce que tu es grand, nous ne pouvons même pas sonder ta grandeur. Ton amour, Seigneur, il est insondable, Seigneur Jésus.
Alléluia. C'est pourquoi cette soirée, Seigneur, en toute liberté, nous voulons danser pour toi. Merci, Seigneur, en toute liberté, nous voulons chanter pour toi. Oh Seigneur, en ces jours-là, les murs de Jéricho sont tombés. Les yeux de Dieu tremblent. Alléluia. Au son de l'orange. Alléluia. Que tu sois glorifié. Que tu sois loué. Que tu sois béni. Ce jour-là, Seigneur, la prison a tremblé, Seigneur. Parce que toi, le maître du ciel et de la terre, tu étais là, Jésus. Nous sommes bénis, Seigneur. Les mêmes bénédictions que les enfants. Le même Dieu de Paul. Oh, c'est notre Dieu aussi. Alléluia. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous te remercions de ce que tu as fait, Seigneur. Oh, notre Dieu, jusqu'à la fin des temps, tu as dit que tu seras avec nous. C'est pourquoi nous te louons, nous t'élèvons, élèvons au travers de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Conduis-nous. Où est ton serviteur, Père? Alléluia. Nous aimons t'entendre comme ceux qui étaient sur le chemin de Maïs et qui disaient notre cœur, ne bénéficie pas au-dedans de nous. Seigneur Jésus, si tu n'es pas là, ne nous laisse pas avancer. Mais viens, alléluia. Nous avons besoin de ta présence. Besoin de toi, car si tu n'es pas là, Seigneur, oh, viens, Seigneur, nous consoler, viens nous remplir, Seigneur, viens nous guider, notre Dieu, viens nous fortifier, Seigneur, nous avons besoin de toi, notre Dieu, nous ne pouvons pas faire le service d'un seul pas sans toi, Seigneur, que toi, Seigneur, tu nous conduis sur ce chemin que tu as tracé devant nous, oh, oui, Seigneur, tu es avec nous, notre Dieu, tu es là, notre Père, la victoire nous appartient, sois le Père, merci, notre Dieu, béni soit ton Saint. Merci pour tout, mon Père. Gloire et louange à toi, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Nous allons lire le psaume au chapitre 119. Psaume chapitre 119. À partir du verset 33. Psaume 119, à partir du verset 33. Nous lisons la parole du Seigneur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Amen. Amen. L'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp. Amen. Moi, j'ai gardé confiance. Vraiment, c'est du fin fond de mon cœur, Père, d'avoir un temps comme celui-ci, notre
Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes toujours heureux, comme cela est toujours dit, comme nous nous retrouvons. Et vraiment, nous sommes dans la joie. Amen. Comme David pouvait le dire aussi en son temps, nous aussi, nous pouvons exprimer la même chose. Amen. Et vraiment, nous, nous sommes dans la joie. Amen. Quand on nous dit, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Nous nous rassemblons en son nom. Quand nous avons aussi élevé nos voix, et c'est vrai, c'est la vérité, nous avons dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, Amen. Ne laisse pas aller. Amen. Et cette année, nous te voulons encore plus davantage. Aide-nous à pouvoir vraiment t'expérimenter encore. Amen. C'est vraiment le désir profond de nos cœurs, afin que nous puissions vraiment marcher et trouver grâce à ses yeux, que nous soyons vraiment attachés à lui. Puisque nous réalisons aussi également que les jours commencent à décliner de plus en plus, et que nous implorons aussi sa grâce, afin qu'il puisse nous tenir en compte. Nos frères et sœurs qui, dans les temps passés, comprenaient aussi, parce que certainement, il y avait au devant d'eux aussi des situations qui allaient aussi se présenter, et qui étaient réellement des moments très difficiles. Et le Seigneur, dans sa grâce et dans sa bonté, il a envoyé donc des serviteurs avec la parole pour que ce peuple puisse entendre cette parole, la parole qui devait réellement le fortifier et le garder aussi, même dans ce moment le plus difficile. C'est pourquoi ils étaient toujours dans l'empressement, l'esprit du Seigneur qui était en eux et aussi avec eux, sachant ce qui allait venir, effectivement, mettaient en fait dans leur cœur, dans leur âme, l'urgence de pouvoir vraiment se retrouver et dans la présence du Seigneur, afin qu'ils soient tous équipés pour arriver à pouvoir réellement tenir effectivement dans ce temps. Vous connaissez effectivement ces temps où on parle effectivement de martyrs et tant d'autres périodes effectivement qui étaient. Donc Dieu, lui, notre Seigneur, savait réellement le piège que Satan avait donc tendu au devant le peuple de Dieu. Il a eu à pouvoir réellement aussi pourvoir pour que ce peuple ne soit pas diminué, mais qu'il puisse avoir effectivement l'équipement nécessaire pour que lorsque la situation arriverait, de manière à ce qu'il puisse réellement aussi tenir et aussi arriver à pouvoir voir la victoire. Nous aussi, nous devons réaliser que
plus réellement le temps s'approche. Et pour nous aussi, nous pouvons voir en réalité que le plan et le programme, effectivement, des armes de ce monde, effectivement, de l'Antichrist, effectivement, et aussi du serpent ancien qu'on appelle le diable, il met réellement aussi, il est vraiment très rusé et très malin. Vous devez tous, et nous tous, nous devons être conscients, en fait, que le combat que Satan est en train de pouvoir engager n'est pas contre les hommes sur la terre et l'humanité que vous pouvez voir. Parce que toute l'humanité, la plupart de tous ceux qui sont, que ce soit des politiciens, des ceci et des ça, tous ces hommes, en fait, ont tendance à pouvoir avoir effectivement pacte, effectivement, dans les domaines, effectivement, du monde des ténèbres. Ils travaillent avec eux, ils savent effectivement ce qu'il a dit, et parce que c'est lui, effectivement, qui dirige aussi, parce que les décisions qu'ils prennent, c'est quand ils se rassemblent dans des temps aussi où la pleine lune et ceci, cela, que vous ne connaissez pas. Et quand des grandes décisions sont prises, il y a des choses qui le respectent, effectivement, des lieux dans lesquels ils doivent se retrouver, et là, comme on entend, effectivement, de la franc-maçonnerie, ainsi de suite. Dans tout ce monde, effectivement, cette terre, et même dans les entreprises, les chefs d'entreprise, effectivement, sont des gens qui ont eu à pouvoir tremper leurs mains, effectivement, dans des choses occultes, effectivement. Alors, ce n'est pas contre ces gens-là, effectivement, que Satan se dresse pour pouvoir arriver à pouvoir, avec tout ce programme qu'il a fait. D'ailleurs, le Saint des Écritures nous le montre bien. Si vous avez bien prêté attention, effectivement, dans le Saint des Écritures, vous pouvez remarquer d'abord comment la parole de Dieu nous montre le dessein et la manière dont les choses se font pour l'Église et aussi, effectivement, pour le monde. Ici, il y a l'Église, effectivement, du Seigneur des Églises, qui est l'Église spirituelle, effectivement, et aussi l'Église aussi naturelle, que vous connaissez, qui se revendique, effectivement, étant, effectivement, celle qui est de Christ, en fait, mais elle ne l'est pas, parce que elle n'a rien à voir, effectivement, avec le Seigneur. Et puis, nous voyons, effectivement, comment les choses se mettent aussi en place de ce côté-là, parce que même quand, là, lorsque l'ange, effectivement, montrait à Jean, effectivement, cette femme qui était donc assise sur une bête écarlate, Jean s'était vraiment étonné, regardez effectivement, et c'est comment cette femme chevauchait cette bête, effectivement. Puis il pose la question, mais c'est ce que je vois, il dit, mais ne t'étonne pas, je vais te donner l'explication, effectivement, de la chose. Donc, on nous montre effectivement comment il y a eu donc cette évolution, et quand nous regardons dans le chapitre 13, même dans l'Apocalypse, et nous comprenons effectivement comment le monde est en train de pouvoir réellement avancer. Il faut que vous puissiez lire les Saintes Écritures. Vous savez, les autres peuvent lire cela comme des histoires dogmatiques, effectivement, de leur religion. Mais vous, non, frères et sœurs. Vous lisez la parole de Dieu comme étant, effectivement, la lumière que Dieu vous donne pour que vous puissiez voir réellement comment les choses avancent dans ce monde. Et comment, effectivement, les systèmes du monde sont en train de pouvoir se mettre en place. Et quelle est réellement aussi votre position dans ce domaine, effectivement. Prenons l'exemple comme l'Écriture dit, effectivement, que dans les derniers jours, regardez bien, l'Écriture vous le dit, le monde ne se rend pas compte. Mais nous, nous voyons qu'il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Donc, vous pouvez dire, vous ne pouvez pas dire que non, on va tout faire pour qu'il n'y ait pas de temps difficiles. Non, c'est déjà dit qu'il y aura des temps difficiles. Donc, toi, tu dois t'attendre à savoir que le temps à venir ne seront pas des temps faciles. Les hommes cherchent des facilités. Toi, tu sais que le Seigneur a dit, il y aura des temps difficiles. Voici comment les choses seront. Les hommes seront fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent. Donc, vous savez réellement comment, ça, on nous montre en fait, comment est-ce que le système du monde est en train de pouvoir réellement aussi prendre sa part. Comment, effectivement, dans ces systèmes, effectivement, l'évolution, effectivement, des esprits qui sont. Et aussi, les uns côté aussi, pendant qu'on montre effectivement comment est l'esprit du monde, on montre aussi comment aussi l'Église aussi, pendant cette période-là, elle se trouve aussi. Comment effectivement aussi, elle est l'Église, effectivement, de quelle manière? Parce que si vous réalisez très bien, le Saint Écriture nous montre effectivement, quand il parle effectivement de la Odyssée, vous vous souvenez? Donc, nous montrant qu'effectivement, que pendant que les systèmes du monde sont comme ça, montés effectivement ainsi, regardez comment l'Église a été aussi embobinée dans ces choses, effectivement, c'est-à-dire avec l'évolution, avec ceci. Donc, il y a eu ce qu'on appelle une sorte de mariage qui s'est fait, en fait. C'est-à-dire, ça c'est le froid et ça c'est le chaud. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est ça l'union, n'est-ce pas? Vous suivez cela? Donc, quand ces deux entrent ensemble, alors ça devient tiède. On a uni donc ce qui est froid, ce qui est chaud.
C'est comme cela. Et puis on regarde bien, dans la plupart des temps, effectivement, dans le monde religieux, dans la plupart des églises, effectivement, cet état d'esprit de tièdeur se trouve, en fait. Ça veut dire que vous avez, effectivement, ce qui est dans le monde, c'est l'impératif, effectivement, aussi dans les églises, mais on appelle ça, effectivement, religieux, d'une manière ou d'une autre. Donc, on réalise que les saintes écritures nous donnent, effectivement, les informations pour que nous puissions, nous, en tant qu'enfants de Dieu, réaliser, effectivement, aussi, pas qu'on puisse dire, parce que souvent, la plupart du temps, quand on dit « le Seigneur revient bientôt », les gens disent « oh, mais on répète toujours ça, effectivement, qu'il revient bientôt ». Oui, lorsqu'on reste, effectivement, dans cet esprit tout à fait naturel, il est vrai qu'on puisse se poser la question, mais c'est vrai qu'on a toujours ça depuis longtemps, en fait. Mais quand tu rentres dans le domaine spirituel, alors là, tu vois clairement les choses, et maintenant, qu'est-ce qui se passe, effectivement? Mais il y a une urgence qui se fait dans ton âme. Cette urgence, effectivement, n'est pas que tu les fabriques, mais à cause de ce que tu vois, quand tu es tout à l'effectivement, mais qu'est-ce qu'on a pu voir, effectivement? Et c'est vrai, regardez très bien, ce que dans la prise chapitre 13, effectivement, pour que nous puissions comprendre, effectivement, en rapport avec le programme du monde, qu'est-ce qui nous a montré, effectivement, qu'on nous a montré que c'est le dragon a donné son autorité à la mer. Vous vous souvenez, non? Donc, le dragon, chapitre 13, après, c'est juste pour dire, effectivement, vous connaissez, de toute façon, c'est. Je vais le relire encore quand même avec vous aussi, Apocalypse chapitre 13. Il dit ici, verset 2, après c'est 13, verset 2, il dit, la bête que j'ai vue était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, le dragon lui a réellement tout donné. Effectivement, on dit, mais sa puissance et son autorité. C'est pour que nous comprenions, effectivement, où est-ce que nous sommes en train vraiment de pouvoir aller avec le système du monde. Je disais tout à l'heure, effectivement, que oui, tout ce que Satan est en train de déployer aujourd'hui, ce n'est pas contre les gens du monde, effectivement. Non, parce que ces gens du monde travaillent avec lui. Mais c'est contre qui, effectivement, que Satan... Il faut que vous ouvrez les yeux, frère. Contre qui, effectivement, que Satan est en train de pouvoir réellement chercher à pouvoir détruire et combattre, effectivement. Mais la réponse est ici, dans les scènes d'Écriture. Regardez bien. Dans le livre d'Apocalypse, toujours, regardez, l'Écriture nous dit ici... Apocalypse, au chapitre 12, l'Écriture nous dit, verset 1, il nous dit ceci, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil. » Vous voyez bien cela. Ce n'est pas une personne de la terre, une femme de religion de la terre, effectivement. Non, c'est une personne tout à fait particulière. Et ses caractéristiques descriptives, effectivement, sont aussi particulières, qui démontrent, effectivement, la communion que cette personne a avec les choses de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. Il est une communion profonde, vraie et sincère. Et cette personne, effectivement, c'est-à-dire cette Église, effectivement, elle s'identifie totalement elle-même avec beaucoup de joie dans les choses de Dieu. Regardez bien. Il dit, et une femme enveloppée du soleil. Vous comprenez? Et pourquoi c'est l'Écriture, non? Et puis il dit, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc elle a veillé à ce que, et trouvant son plaisir dans les choses de Dieu, en fait, et pas qu'il se sente effectivement comme je suis obligé de voir aller dans ces sens-là, parce que le dogme et credo de nos églises, effectivement, les disent non. En fait, elle s'est dépouillée de tous ces dogmes et des credos, et a trouvé plaisir, effectivement, de pouvoir se rendre compte que ça, c'est quelque chose qui est à moi, en fait, et ce qui est principal pour moi, il me faut ce soleil, il me faut que tout cela soit avec moi, effectivement, et la couronne de 12 étoiles, donc, l'enseignement des 12 apôtres, et persévérer. Vous vous souvenez encore? Amen. Dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que, déjà, c'est au moment où l'Église a pu prendre naissance, hein, c'est sur les Pentecôtes, non? Ces caractéristiques, effectivement, cette nature, en réalité, effectivement, elle avait donc commencé à être manifestée en eux, parce que la détonation qui a eu lieu a démontré, effectivement, que la chose qui était à l'intérieur est sortie maintenant pour se manifester maintenant de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, il s'accrochait à cet enseignement qui n'était pas autre que l'enseignement des apôtres, effectivement, parce que c'était la parole. Nous l'avons entendu que
celui qui m'écoute. Dieu vous écoute aussi, vous écoute, m'écoute. C'est pas vrai. Amen. Donc, effectivement, ils étaient sûrs et certains que ça, c'était donc le Seigneur, c'était sa parole, effectivement. Ici, on accroche. Et là, voici, on la voit. Ici, effectivement, avec autant de zèle qu'elle s'est donnée pour ces choses-là. Afin qu'elle pouvait négliger autre chose dans la vie sur la terre. Mais ces choses qui concernaient effectivement sa vie, donc les choses spirituelles, parce qu'il ne faut pas oublier, mon frère, ma soeur, que nous n'avons pas lutté contre la chair et les sang, pas contre les choses qu'on voit, mais contre les esprits méchants, contre les dominations. Donc il faut que moi je puisse être équipé dans ce domaine-là. Quand vous allez effectivement chercher du travail, effectivement, c'est ce que d'autres ont fait, vous n'avez pas. Donc c'est dans les domaines, c'est toujours un combat spirituel. Donc il faut que moi je sois aussi équipé, équipé de ce que je dois être moi, de ce sur lequel Dieu veut que je sois. Donc là, on voit bien que c'est vraiment de tout son cœur, c'est-à-dire qu'elle s'y est donnée, elle a pris conscience de l'importance de ces choses-là pour elle-même. Parce que sans ça, il se rend compte qu'effectivement, que je ne pourrais même pas avoir la victoire. Donc il faut que je vérifie si toutes ces choses sont avec moi pour que réellement que ma victoire soit vraiment totale et parfaite. Sinon, autrement, c'est sûr et certain que quand je m'en vais, c'est la défaite. Il faut que je sois sûr. Vous savez, quand le peuple d'Israël a avancé, effectivement, et le Seigneur donnait des instructions pour que les choses soient respectées et gardées, effectivement, dans, comme Dieu dit, comme nous l'avons entendu avec le mur de, avec Josué qui donnait des ordres, effectivement, dans Josué chapitre 5 et 6. Nous les ordres, effectivement, enfin, il dit, mais vous, les septième jours, effectivement, vous allez faire ceci, quand je dirais, vous poussez des cris, vous pousserez des cris. Et puis il avait dit, tout ce qui est là-bas est voué par interdit. Il veut dire que quand nous entrerons, effectivement, et seul. Il dit, mais vous, c'est extraordinaire, frère, de voir que c'est Dieu que nous servons toujours le même. Amen. Amen. Comme il a été avec Israël, il est aussi avec nous. Amen. Il ne faut pas que nous oublions cela. Amen. C'est toujours le même Dieu. Amen. Il ne change pas. Amen. Alors il a dit effectivement par la bouche de Josué, effectivement, mais quand vous allez entrer dans Jéricho, puisque je te livre Jéricho, il dit, tout sera voué par interdit. Vous savez, c'est interdit, non? Amen. Amen. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'entends comment Dieu disait, parce que Josué l'a dit effectivement, quand vous entrerez dans ces murailles, effectivement, lorsque le muraille sera tombé, quand vous allez entrer en Jéricho, vous devez vouer par interdit tout, homme, femme, enfant, bébé donc, vieillard, vieux, bétail, donc tout, sauf l'or et l'argent, effectivement, et la main pour les trésors du Seigneur, c'est ce que le Seigneur avait dit. Donc tout cela donc, tout doit être voué. Donc, vous détruisez tout, pas de sentiments. Les pauvres vieillards avec la carie, il dit, mais tu le vois complété. Alléluia. Amen. Les pauvres bébés qui viennent de naître, tu le trouves complété. Amen. Amen. Josué chapitre 5 et 6, il est chez moi à la maison. Oui, mon frère, ma soeur. Oui, la maman qui est là pour avoir son bébé, dit, tu coupes la tête de la maman, la tête du bébé aussi. C'est comme cela que, c'est vrai, c'est comme cela que le Seigneur a eu à pouvoir. Alors il dit une chose, Josué dit, vous ferez tout par interdit, il répète en disant, sauf Rahab, la prostituée. Amen. Frère, c'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire, notre Dieu est derrière. Et pourquoi ce n'est pas avec notre logique, frère, notre façon d'être, qu'on peut vraiment comprendre les choses de Dieu. Amen. Oh oui, il dit, mais sauf, il dit bien, Rahab la prostituée et tout ce qui lui appartient. Amen. Parce qu'ils avaient dit à Rahab, il dit, mais si tu parviens à mettre toute ta famille, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tes enfants, dans la maison dans laquelle toi tu vas te trouver, amen, et que tu suspends un fil de cramoisi, tu seras épargné. Amen. Et eux aussi, à cause de toi, seront épargnés. Amen. Dieu merveilleux. Amen. Lorsque le mur de Jéricho sont tombés et qu'ils sont rentrés, effectivement, ils disent, souvenez-vous, les Seigneurs étaient dit, tout voué par éternité, sauf la prostituée. Amen. Dieu est grand. Amen. Comment est-ce que cette femme-là, une prostituée, a pu avoir la vie sauve?
Alors Jésus a dit, il fait demander, parce que il a reçu les espions qui étaient partis, il les a cachés alors que dans son pays, on les cherchait pour les tuer. Et il a simplement allé dans la maison et dit, mais je connais votre, comment vous respirez la crainte, on dit, mais votre Dieu est un des grands terribles. Une prostituée. Et oui, mon frère et ma soeur, à cause de l'acte que Rahab a posé, effectivement, elle avait confiance et foi que tout ce qu'on lui a dit, juste prendre un fil de cramoisi à ta fenêtre. Elle a fait la chose, elle a rassemblé toute sa famille. Ils sont venus là, elle a mis son fil, elle a resté. Lorsque le mur ont été secoués, les maisons sont tombées, c'est la rame de ses deux. Il a chanté, je connais, c'est Dieu. Frères et sœurs, nous ne jouons pas ici. Nous sommes vraiment en chemin vers le ciel. Et nous ici, nous travaillons avec le Dieu Tout-Puissant. J'attendais l'amen assez fort. Si vous ne le croyez pas, pourquoi vous êtes là? Si vous ne le croyez vraiment pas, ne venez pas ici. Amen. C'est vrai, frère. Si c'est vraiment une... S'il n'y a pas une conviction que Dieu est avec nous ici, et que Dieu travaille avec nous, et que Dieu nous parle, pourquoi vous restez ici? Partez. Allez chercher, ça c'est un conseil, une église dans laquelle vous êtes sûr et certain que, en tout cas, Dieu est ici, moi je reste là-dedans. Parce que si tu n'es pas convaincu que Dieu est ici, et que tu restes ici, tu perds ton temps. Amen. Et puis en plus de cela, Dieu ne peut rien faire pour toi. Non. Tu te fais souffrir pour rien. Tu ne crois pas, mais tu viens quand même. Ça ne sert à rien. Non. Je ne crois pas, je m'en vais. Amen. Moi, je veux me retrouver à l'endroit où je suis sûr que si ici, c'est Dieu. Amen. Alors, quand je sais que c'est Dieu, au peu importe ce qui peut arriver, amen, je sais que je suis dans l'endroit qu'il faut. Amen. Alors, j'ai la solution à tous mes problèmes. Amen. C'est sûr et certain. Ah, la prostituée, elle savait que ce qu'on m'a dit, parce qu'il dit, mais les dieux, votre Dieu à vous, là, nous avons entendu. Parce qu'ici, chez nous, ici, dans tout, ils sont en train de trembler. Et ce peuple-là, vous savez, ils étaient très petits. Très peu nombreux, en fait, les enfants d'Israël. C'est pas qu'ils avaient des muscles à gauche, à droite. Non. Ce qui faisait l'intérêt à la grandeur de ce peuple. Mais c'est parce qu'ils avaient un Dieu. Amen. Frères et sœurs, c'est vrai, sur la terre aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prient. Ce que moi je crois, et je prie, que ces lieux soient différents. Amen. Oui, et de votre conscience. Amen. Que s'il y a un endroit où Dieu peut vraiment tourner la tête, les yeux sur la tête, mais voici l'endroit où moi je suis, que ce soit bien ici. Amen. Oui, frère. Parce que là où toi tu te trouves, c'est là où tu veux que Dieu soit. Amen. Donc s'il y a un endroit où Dieu peut dire que je dois enlever les gens, eh bien ça doit être ici. Amen. C'est vrai, frère. Nous devons être conscients de cela. Et c'est comme cela aussi que le Seigneur, notre Dieu, arrivera aussi à agir avec toi. Parce que tu as un besoin, tu as un désir profond. Il dit, mais en tout cas, Seigneur, s'il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, ça va se passer ici, amen, dans ma vie à moi. Amen. Alors c'est à ce moment-là que Dieu voit ta décision. Si tu es, oh mais est-ce que, frère, tu dis, si le Seigneur doit venir, qu'il vienne chercher, il viendra nous chercher aussi ici. Amen. Si dans toute l'Europe, on dira que et Dieu a choisi un endroit où il doit venir, alléluia, ça veut dire. Amen. S'il y a un endroit où Dieu doit venir agir en Europe, ça amen, doit être ici. Amen. Il n'y a pas d'autre endroit. Oui, mon frère. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que si tu n'as pas ça en toi ici, Dieu ne te trouve pas intéressant. Amen. Parce que Jacob, lui, il a saisi l'ange. Il dit, mais laisse-moi. Moi ici. Amen. J'ai trouvé l'occasion de moi t'es lâché partir. Non, tu ne peux pas partir. Il faut que tu me bénisses, moi. Amen.
Amen. Amen. Donc, Jacob était exigeant. Il savait ce qui était important. Alors, et c'est comme cela qu'il a pu avoir la bénédiction de Dieu. Mais quand tu es toujours un peu flottant, incertain, parce que c'est vrai, quand cette fermeté, ce désir profond, je le veux, s'il n'est pas en toi. C'est comme si tu veux l'offre, mais quand tu viens pour qu'on prie pour toi, tu ne viens pas chercher là, disant, mais ça se peut que je sois guéri, mais je vais quand même y aller, je ne sais pas encore, mais tu ne seras jamais guéri. Amen. Ça se peut que je sois peut-être délivré, mais je vais encore essayer pour voir à peu près si ça va, mais tu ne seras jamais délivré. Tu viens avec. Ah, j'ai entendu. Amen. Dieu a dit que si moi je crois, amen, eh bien je vais recevoir. Amen. Je vais avancer. Tu l'as dit, Seigneur. C'est pas quelqu'un, mais toi tu l'as dit. Alors je viens, je crois de tout mon cœur. Il dit, ils imposeront le même mal. Moi je suis malade. Amen. Seigneur. Amen. Si on m'impose la main ici, c'est sûr que je suis guéri. Même si je me lève, je sens encore la douleur. Seigneur, je sais que tu vas l'aider. Amen. C'est cette détermination dans ton nom que tu as. Ah, bon, la prostituée, alors ils sont rentrés. Tout a été voué par interdit. Ben, tous les hommes, les bœufs et les femmes, effectivement, sauf la maison des Rahab, là où je suis. Et voilà que maintenant ils sont sortis, victorieux, ainsi de suite, rentrant avec le visiteur, faire par rentrant victorieux. Et puis, Josué, dans cet élan, disant que Dieu est là avec nous, nous avons mis toutes les choses, effectivement, nous avons entendu ce qu'il a dit, et tout va bien. Et puis, on voit la ville d'Haï, là-bas, qui est de l'autre côté, effectivement, ça va tomber. Et puis bon, il s'est levé, effectivement, pour pouvoir aller, alors bon, les autres fois disent, oh non frère, dis, mais Josué, capitaine, écoute, mais quand on voit Haï, tu ne peux pas prendre tous les peuples qui sont ici pour aller combattre, non. 3000 de chez nous, c'est suffisant. Avec la fugue, il y avait vu déjà que le Seigneur a fait. Et puis 3000 seulement chez nous ici, nous pouvons aller et dire, bon, c'est comme ça, bon, allez-y, il n'y a pas de problème, parce que je crois que ça va. Eh bien, ils sont partis. Mais ils voient que, par exemple, pour combattre, ce sont les gens d'Haï qui vont fouiller les enfants d'Israël. Il y avait 40 ou 36 qui étaient tués. Ils sont rentrés. Jésus a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais nous avons la défaite. Effectivement, vous avez fui. Et quand il a entendu cela, il a déchiré ses vêtements. Il est entré dans la terre du Seigneur. Il a baissé sa tête devant le Seigneur. Et puis, il a dit, mais Seigneur, mon Dieu, quand les Amoriens vont entendre que les gens d'Haï ont fait fuir ceci, mais tous les autres, effectivement, ils vont avoir la force de dire, mais Seigneur, que feras-tu de ton grand nom? Qu'est-ce qui se passe effectivement? Qu'y a-t-il comme problème effectivement? Il pleurait. Amen. Ah oui? Parce que Seigneur, nous avons passé les Jourdains. Et maintenant on arrive ici, tu l'as envoyé pour que nous puissions mourir ou quoi? On ne comprend plus rien. Nous avons fait ce que tu nous avais donné pour faire. Dieu est sage. Amen. Qu'est-ce que les Amoriens vont dire effectivement à gauche et à droite? C'est-à-dire qu'il faut savoir intercéder, prier Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Quand bien même il y a une situation, il faut savoir comment s'approcher de Dieu. Amen. Lui parler effectivement, lui montrer ce que vous êtes pour lui. Ce qu'il fait pour toi, ce qu'il a eu à pouvoir faire et pourquoi il est là avec toi. Amen. C'est vrai, c'est comme Moïse avait dit, mais Seigneur, parce qu'il dit, mais je vais tout détruire. Il dit, mais Seigneur, souviens-toi, mais tu l'as fait sauter, pourquoi? Mais pour qu'il aille dans le pays promis. Souviens-toi, il dit, mais souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi de Jacob. Ok, tu as fait la promesse. Les hommes de Dieu savent parler à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Oui. C'est comme ça que la colère de Dieu s'est apaisée. Mm. Et quand Josué a pleuré devant le Seigneur, il dit, mais Seigneur, mon Dieu, quand il dit, et puis, la main du Seigneur vient, il dit, mais Josué, lève-toi. Lève-toi. Il dit, il y a un problème dans le camp. Il dit, mais Seigneur, quel problème? Parce que tu nous as dit, j'ai dit à tout le monde, effectivement, que personne, tu dis, tout le monde devait suivre, effectivement, ce que je leur ai dit. C'est ça le problème. J'ai dit à tout le monde, on fait ceci, vous touchez à rien, ceci, cela, et vous ne touchez, sauf, vous épargnez Rahab, la prostituée et sa famille, et puis l'argent, avec tout ça pour les trésors de la maison d'éternel, comme tu me l'as dit. J'ai dit ça au pas. Il dit, quel est cet frère ou cette soeur, effectivement, qui a entendu ce que j'ai dit, et il sort, effectivement, il fait le contraire. Oui, parce que pour lui, ce n'est pas possible. Ayant vu d'abord, regardez bien. Tournez vos regards ici, s'il vous plaît. Il dit, ayant vu d'abord ce qui s'est passé, le miracle qui était tellement aussi grand, les gens ont plus froid. C'est
C'est quand même assez terrible, frère. Mais ayant vu effectivement la puissance, il dit, mais personne ayant vu ça ne peut pas faire le contraire quand même. Oh non, Dieu dit, je ne suis pas là-dedans parce que vous n'avez pas fait ce que j'avais dit. Mais Seigneur, nous avons tout fait. Non! Qui a-t-il, Seigneur? Mais, ah, il y a un interdit dans le camp. Il dit, qui a-t-il? Il dit, il y a un interdit dans le camp. Josué s'est levé avec autant de tristesse, le cœur brisé. Il a rassemblé tout Israël. Il a dit, mais il nous a été dit que là, nous entrerons, tout est voué par l'éternel. Alors, qui est-ce qui a fait quoi? Si tu as fait, eh bien, sors, dis-nous quoi. Eh bien, encore lui, il s'est caché. Puis bon, ben, ils ont prié, ils sont retombés dans telle famille. Il est parti, telle famille, effectivement, et tout le bien, pardon. Et papa, tout le bien, effectivement, ben, telle femme de famille, et puis papa, telle petite famille, mais papa, tombe sur qui? Aga, avec sa famille. D'accord, même si tu étais avec. C'est vrai. Tu as quand même vu que vraiment le Seigneur, tu penses que le Seigneur nous rend tout avec nous. Quand tu fais, tu penses qu'il ne va pas quand même pas montrer. Mais tu peux faire même là en mettant les et tu dis, mais il va quand même montrer. Attends, quand même, comment ne peux-tu pas avoir la crainte de ces dieux? Je me suis tenu là, effectivement, je vous ai dit, mais avec les sacrificateurs, avec les trompettes, tu as attendu. Quand j'ai dit que non, voilà ce que nous devons faire. Ah, tu considères que je parlais de moi-même? Quand même. Bon, maintenant, si tu l'avais posé, comment ça se fait que je peux me trouver que c'est toi qui. Qu'est-ce que tu as caché là-bas? Ah, à ce moment-là, il devient juste. Vous savez, avec Dieu, frères et sœurs, on ne joue pas. Amen. On peut se cacher aujourd'hui, mais il va y avoir un temps. Amen. Amen. Alors, mais là, il se dit, mais attends, qu'est-ce que tu as fait? Le monsieur, quand il est rentré là-bas, il a trouvé un lingot. Un lingot d'or. Il fallait que. Il a pris son lingot avec un manteau échinéaire. Je pense que c'est parce que. Et voilà, il a pris ça, il a enrobé, il est allé cacher très loin pour qu'on ne voit pas. Mais l'œil de l'éternel. Alléluia. Il veille sur cet éternel. Il dit ben voilà, que c'est toi. Il dit oui, voilà ce qui m'est arrivé, ça. Bon, on l'a fait sortir. C'est lui qui avait fait. On l'a fait sortir. Mm-hmm. Et tout ce qui est établi. Femmes, enfants, et tout, voué par interdit. Mm-hmm. Et quand cela a été fait, effectivement, comme ça, voué par interdit, Dieu maintenant revient maintenant dans les camps d'Israël pour avancer avec son peuple. Donc, nous réalisons une chose que le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment un Dieu qui est. Mais il marche avec son peuple, mais il veut que son peuple puisse arriver aussi à avoir une relation beaucoup plus profonde. Et dans cette relation profonde, effectivement, c'est là aussi que toi, mon frère, toi, ma soeur, que ta victoire, certainement, elle est garantie. Amen. Alléluia. Tu es sûr que, Seigneur, mon Dieu, j'ai mis en ordre tout ce que tu m'as dit. Amen. Maintenant, voici, je me trouve dans cette situation maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est sûr et certain. Que la délivrance, certainement, elle viendra. Amen. Et comme je disais, effectivement, le monde que vous voyez, parce que le peuple de Dieu est un peuple qui inspire la peur et la terreur, effectivement, à cause de l'état de celui qui est autour de lui. Amen. Vous ne le voyez pas. Mais vos adversaires, effectivement, parce qu'ils sont dans le monde des ténèbres, ils voient. Amen. Ce que vous êtes. C'est vrai, on l'a toujours eu à pouvoir entendre ici, mais vraiment, télétement, la sœur, elle dit, non. Amen. Parce que vous êtes là en train de me regarder, oui, mais vous avez entendu frère et soeur. Elle ne savait pas non plus. Alléluia. Parce que ce que nous entendons, ce que Dieu fait, qui change effectivement nos vies, on pense que non, on fait du théâtre. Non, mon frère, c'est un travail réel que Dieu est en train de faire avec toi. Amen. Alors que toi, tu ne sais pas, les mondes cherchent à te détruire. Mais Dieu combat pour toi. Amen. Donc c'est une terreur, effectivement, que les gens d'alentour, effectivement, sentent effectivement que non, cette personne ici, c'est pas la même chose. Et c'est comme cela. Et voilà, comme je dis, effectivement, on vous remarquez très bien, comme nous l'avons vu dans les Saintes Écritures, du chapitre 12 d'Apocalypse, il nous montre que cette femme était là, la femme en question, hein, il s'occupait de ce que
son époux lui a dit, hein, voilà comment, parce qu'il a dit que, oui, mais tout lui a été donné, c'est la bêtise, effectivement, de faire, vous connaissez, c'est la bêtise, mais tout ce qui était nécessaire, elle le prêtait attention, elle regardait, effectivement, pourquoi? Parce qu'elle savait qu'effectivement, que ça aussi, ces choses, parce que ce que Dieu nous dit à nous, en ce qui concerne cela, il faut comprendre que, il s'agit effectivement du véritable peuple de Dieu, effectivement. Quand Dieu leur dit, il y a une relation, effectivement, de joie, en fait. Parce que quand il me dit ça, donc ce que j'ai entendu de lui, je l'ai fait avec joie parce que c'est quelque chose qui m'appartient. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Aimer le Seigneur, je l'ai fait avec joie parce qu'il est mien. Amen. On ne m'oblige pas à aimer Dieu. Non, non, non. Et parce qu'il me dit, mais j'ai besoin de ton amour. C'est comme ça que Dieu dit. Amen. C'est vrai quand même. Amen. La Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est Dieu qui demande cela, non? Amen. Mais Dieu dit, mais je veux que tu m'aimes comme ça. Amen. Et qu'est-ce que toi tu vas faire en retour? Ah, je sens que je suis obligé. Non. Si déjà dans ton âme, effectivement, tu aimes la personne, sur la personne, l'aimer, c'est pas obligé. Pas plus obligé, pardon. Donc c'est quelque chose que vous prenez plaisir. Amen. Amen. Donc la même chose avec Dieu aussi. Quand le Seigneur vient vers toi, alors tu prends plaisir aussi à venir vers lui. S'il dit, mais ça, je trouve que ce n'est pas bon pour moi. Ah, tu n'aimes pas. Tu veux que je m'habille comment? Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est là qu'on voit ce qu'on est. Tu veux que je m'habille comment? Mais je veux que tu mettes la robe comme ça. Ah, est-ce que comme ça, ça te plaît? C'est vrai quand même. Amen. Est-ce que comme ça, ça te plaît? Regardez, ah oui, ça me plaît, mais quand je vois un peu les chaussures et là, une tête comme ça, comme un poisson. Mais un peu une bonne chaussure. Donc ça, c'est comme un poisson. Tu veux que tu sois comment? Mais bon, je suis comme ça. Ah, et puis quand. Et ça te plaît comme ça? Ah oui, ça c'est bien. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, l'amour n'a pas de bataille. Il dit non, moi je pense que... Parce que c'est vrai quand même. Et c'est une illustration pour que vous compreniez. Amen. Bah, dis-le, moi j'aime pas, moi j'aime comme ça, moi c'est comme ça que j'aime, c'est comme ça que j'aime. En fait, tu le fais pour qui? Pour toi-même, mais c'est pas vrai. Mais en fait ici, ça c'est une femme qui n'est pas mariée, une femme qui est célibataire, une femme qui n'a aucun engagement, qui s'habille pour elle-même. Personne ne va lui dire, écoutez, vous vous rendez compte, une femme qui n'est pas, enfin une fille, je pense qu'elle n'est pas mariée, et puis monsieur dit, écoutez, je n'aime pas ta jupe là, je veux que tu changes ça, tu me mettes l'autre, c'est pas normal. Il n'y a pas de relation entre toi et moi. Moi, je rentre dans ma garde-robe, je dis, je m'habille comme moi, je trouve que la jupe, elle est comme ça, elle me plaît, ah oui, elle me plaît bien, puis je sors. Mais maintenant, quand je me suis marié, vous suivez, je ne suis plus célibataire. Je ne suis plus indépendant. Donc maintenant, je ne cherche pas à me plaire à moi. Je cherche à me plaire quand j'étais encore seul. Mais maintenant, est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, j'attends maintenant parce que j'ai trouvé celui que je dois aussi donner mon cœur. Ça vous semble bizarre? Non. Mais c'est la Bible, frère et sœur. Mais on parle bien de l'époux et de l'épouse. Amen. C'est quand même la Bible. Bon, vous voulez que j'aille dans la tsunami? Pour vous dire, là vous allez fermer les oreilles, parce qu'ici je mets la tsunami. Vous savez comment Salomon parle de la tsunami? Vous savez cela? Amen. Comment il décrit la tsunami? Amen. C'est dans la Bible, non? Amen. Amen. Donc ça, c'est pas moi. Il ne faut pas me regarder comme si la sensation de froid. Non, mais c'est vrai, frère. Oui. Ça, c'est l'amour du Seigneur que nous devons comprendre. Amen. C'est que le Seigneur attend le regard qu'il a aussi sur nous. C'est normal, ça. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Donc, à ce moment-là, je cherche à pouvoir être comment? Correspondre à celui qui. Donc, la femme doit satisfaire le mari. Amen. Amen. Quand tu mets un vêtement que le mari n'aime pas, tu ne peux pas dire non, mais je trouve quand même que c'est bon. Pourquoi tu veux que tu m'habilles comme une vieille? Mais si lui il veut que tu t'habilles comme une vieille, il a du goût dans les vieilles. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, ne prenez pas. Amen. Ne prenez pas dans les sens. Non, mais c'est-à-dire que ça veut dire. Pardonnez-vous. Mais c'est pas dans les sens que vous avez compris. Non, c'est pas moi des goûts dans les vieilles. Mais bon, il a des. Enfin bon.
en nous révélant dans les scènes d'Égypte. Au revoir, on ne peut pas bien comprendre, enfin bon. Dieu, mais vous avez compris. Amen. Que Dieu nous aide. Alors nous revenons ici, nous allons prier ensemble, puis nous allons rentrer. Alors il dit, elle était donc, verset 2, chapitre 2 d'Apocalypse, verset 2, il dit, elle était donc enceinte et elle criait, étant donc en travail dans la douleur de l'enfantement. Donc je parle donc, c'est nous Apocalypse, effectivement. Donc, voilà comment elle était effectivement cette femme, en réalité. Et c'était dans là, c'est l'église évidemment. Et puis il dit, un autre signe parut donc encore dans le ciel, et voici, c'était le grand dragon rouge, que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Celui qui a dominé effectivement dans le chapitre 13, qui a donné son autorité à la bête que vous connaissez aussi très bien. Et si il a donné son autorité, ce qu'il est dans la bête, c'est que ben, ce que la bête est, c'est vraiment ce que les dragons est. Parce qu'il a dit bien qu'elle va broyer, elle va dominer, elle va tout, effectivement, elle brisera la terre. Vous connaissez, non? Donc, effectivement, mais elle va avoir cet esprit, effectivement, de la bête, pas l'esprit, effectivement, de Dieu. Ah, et voilà, ici, c'est ces dragons-là, il dit, et voici donc, il dit, c'était un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 6 têtes, 7 diadèmes. Vous avez remarqué, non? Vous avez quand même remarqué. Eh bien, c'est ce que nous voyons ici, regardez très bien, pour que vous puissiez voir. Au verset chapitre 13 d'Apocalypse, il dit, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait combien? 10 cornes et 7 têtes. » Et ici, on nous parle effectivement que le dragon, écoutez bien, hein? Chapitre 12, verset 3, il dit, « Mais et voici un autre signe paru encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. » Vous avez entendu, non? Et ici, on nous parle de la bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Vous voyez cela, non? Amen. Eh bien, voilà, mon frère, donc, les dragons s'identifient à la bête, s'identifie au dragon. Donc, ils sont devenus? Amen. C'est ça. Eh bien, ces dragons, c'est qui? Il dit, sa queue entraînait les tirs des étoiles du ciel et les cieux jetés sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme, pas devant tout le monde. Amen. Vous suivez? Amen. Il est parlé devant tout le monde parce que tout le monde, les autres, tous les habitants de la terre l'adoreront. C'est écrit. Amen. Donc c'est pas ceux-là pour qui on prend le mesure. Frère. C'est pas pour ceux-là, frère. Non, Satan, il est rusé. Oh, dans le monde entier que vous pouvez voir, effectivement, tout ce qui s'est passé, c'est pas des comme Dieu. C'est pas pour les gens de la terre. Il y a un peuple pour lequel on vise. Amen. Les dragons s'éteignent devant la femme. Regardez bien, quelle femme? Parce que nous l'avons entendu, parce que nous l'avons vu, non? Qui était enveloppé du soleil. Couronne de 12 étoiles, la lune sous ses pieds. Vous suivez? Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Vous ne venez pas ici pour des histoires, chers frères et sœurs. C'est bon que vous compreniez les choses de Dieu, que vous sachiez où est-ce que vous allez. Pour ne pas que vous vous plaigniez quand il y a une situation. Non, que vous sachiez que je suis dans un combat. Amen. Ton engagement envers le Seigneur n'est pas à prendre à la légère. C'est un engagement sérieux. Amen. Donc, sachant que partout où je passe, effectivement, depuis que j'ai dit, Seigneur, mon âme, ma vie, tout ce que je suis t'appartient, les démons de l'enfer se sont tournés contre toi. Amen. Là où tu avances les pas, ils sont aussi pas tellement loin à te déguetter. Comment va te mettre dans une situation compliquée? C'est pourquoi faites les choses droit. Amen. Je ne sais pas, je vais accoucher à droite. Non. Tu fais ça, je ne suis pas là où le frère n'est pas là, mais les démons sont là. Ah oui, alors ils vont dire, oh, on a trouvé l'occasion maintenant. Il a volé dans le magasin, eh bien on va le tenir. Ah, c'est sûr, etc. C'est pour ça, soyez reconnaissants au Seigneur. Amen. Quand tu étais au magasin, tu as volé, tu dis, oh, je n'ai pas volé, tu viens dans l'assemblée, dis, mais toi frère, tu as volé. On se dit, oh, c'est pas possible, qui a raconté ça au frère? C'est la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi il t'a dit que tu as volé? Parce que bon, vous savez, la parole sort comme cela. Puis tu dis, oh, c'est moi qu'on vise. Glorifie le Seigneur. Amen. Parce que quand il pointe cela, c'est parce qu'il sait que Satan est en train de t'accuser, toi. Tu ne sais pas, mais il sait pas tout le monde, comme tu l'as toujours pour avoir la prise sur toi. Et maintenant, il dit, mais Seigneur, mais toi, tu as fait la chose, Seigneur. Quand tu as entendu, mais Seigneur, pardon, pourquoi? Pour que tu te repentes et que maintenant le Seigneur efface, Satan n'a plus les droits sur toi. Amen. Amen. Oui, mon
mon frère. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin. La religion ne va pas t'aider à avancer. Tu as besoin dans un lieu où Dieu parle. Amen. Où Dieu te montre effectivement ce que tu es. Amen. C'est ça ta vie à toi. Dis, mais Seigneur, ça j'étais comme ça, maintenant je n'avais pas vu. Dis oui. Parce qu'aussi longtemps n'avait pas vu, lui il avait les droits sur toi. C'est la même chose. C'est vrai. Oh, le frère, le jeune, les âgés, le moins âgé, c'est vrai souvent. Tu sais ça. Ils entendent la parole de Dieu et puis ils font, oh, évidemment, c'est toujours un murmurant. Le jeune, pareil, les moins âgés, les mis-âgés, les autres, c'est tous pareil. Très peu sont ceux-là, Dieu a parlé, Seigneur, je crois. Et puis quand je pars, je reviens, je change. C'est vrai. Parce que il connaît le piège que l'ennemi tend, effectivement, parce que Satan, il connaît. Il est très rusé. Il étudie chacun de nous, effectivement. C'est que celui-là, c'est comme ça, c'est comme ça. Il est rentré. Comment fait, oh, tu sais, il faut payer votre quoi. Oh, tu sais. Alors que, bon, mais tu sais, quand il a parlé de ça, mais c'est toi qui le visais. Hein. Puis tu deviens colérique, de toute façon, j'écoute, mais pff, c'est moi qui le vise. Hein, ben, je crois qu'il sait, alors qu'il ne sait rien. Alors que c'est ton Dieu à toi qui est en train de pouvoir te parler, toi, pour te dire, mais là, il se tient, effectivement, quelqu'un. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on dit? L'accusateur de nos frères. Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Donc Dieu assis, tu es là, sinon il est là à te l'accuser. Tu as vu, il a fait ça, mais lui, il veut effectivement que tu comprennes que aussi longtemps que tu as ça, mais il est en train de t'accuser. Parce qu'il connaît la parole. Mais Dieu, tu l'as dit, et voilà la situation. Donc maintenant, quand le Seigneur vient dans sa maison pour pouvoir te parler, toi, c'est pour ton bien. Amen. Et montrant effectivement, oh, toi, tu as tendance à pouvoir dire, oh, mais je coûte et puis je sors. Pas de problème, mais c'est que toi, tu n'as pas la sagesse. Ce que tu ne vois pas, ce que l'ennemi est en train de pouvoir préparer pour toi. Il te lit davantage, effectivement. Il te lit davantage. Mais Dieu te demande. C'est pour ça, quand je vois des frères. Bon, vous êtes bien, vous venez à l'assemblée. Voilà, frère, vous venez. Et puis après, un jour, on ne te vient pas. Un jour, tu ne viens pas. Et puis, ils vont te dire, bon, écoutez, il faut qu'on vienne te chercher là où soit frère ou soit jamais. Frère, je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez vous faire si important? Ce n'est pas ça. Je ne vais pas venir comme ça, je vais me faire chercher. Tu ne viens pas si tu es malade, je comprends. Mais que tu as fait, c'est pas la bamba, j'en sais absolument rien. Tu ne veux pas venir, et puis, le diable doit te chercher, il doit perdre son temps, ou bien les personnes vont téléphoner. Non, frère, non, ma soeur, respectez-vous. Amen. Il ne s'agit pas de la vie, du diable, mais c'est votre vie. Amen. Amen. Vous devez être conscient, vous ne devez pas être là comme des bébés qu'on doit. Que, ok, ne pensez pas que les pasteurs cherchent à pouvoir avoir beaucoup de membres. Moi, je ne me paye jamais de dîmes ici. Hein. Vous pensez que, oh, il faut que je montre, et puis si je viens, j'ai plus, et vous venez. Frères et sœurs, revenons dans le bon sentiment de la parole de Dieu. Amen. Dieu nous aime, Dieu nous parle, Dieu nous montre la voie. Alors prenons conscience que réellement, nous sommes dans un combat. Amen. Mais c'est sûr que oui. C'est sûr et certain. Tu es dans un combat. Chez toi, dans la maison, à ton travail, partout où tu passes. Tu dois savoir garder les territoires. Amen. Quand il bâtissait effectivement la muraille, d'un côté la truelle, de l'autre côté l'épée. Amen. Il travaillait, l'épée était là. Quand l'ennemi vient, il trouve du combat avec l'ennemi. Alléluia. Donc, nous devons être effectivement sur nos gardes et très conscients que c'est là. Donc, là nous voyons qu'effectivement que tout ce qu'il y a comme système dans le monde aujourd'hui, il y a un but. Que ce soit ce que vous entendez, le conseil œcuménique, on voit des grands bâtiments, l'ONU, les églises, et ceci et cela. On le fait, c'est bien cela. Mais il y a un peuple qui est visé. Satan fait tout ça pour simplement un peuple. Sur Satan. Il est là. La Bible le montre. Un soi-disant croyant. Satan ne va pas les déranger. Non. Il ne va pas les déranger. Parce qu'il sait une chose, il n'ira jamais très loin. Il ne fera jamais des progrès. Mais je vais vous le montrer, parce que regardez très bien, dans les Saintes Écritures, dans le livre de Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, je pense, 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Oui, voilà. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car
Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, révèlent à leurs parents, ingrats, irréligieux. Vous y êtes ? Amen. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Maintenant, regardez très bien, il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui se traduisent dans les maisons et qui captivent des femmes, de faibles femmes chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Verset 7, il dit, ils apprendront toujours et ne pourront jamais arriver à la connaissance de la vérité, de même que jamais ces gens s'opposent à la vérité, s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grand progrès. Vous voyez bien? Ici, il faut bien comprendre qu'il s'agit des religieux, ayant l'apparence et la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Vous savez cela, non? Il n'y a pas avec les gens du monde, il n'y a pas aussi, on parle ici des gens qui sont des religieux dans la religion, dans les églises. Ils ne feront pas le plus grand progrès, ils peuvent s'asseoir avec vous, effectivement, ils vont chanter avec vous, mais ils n'iront pas loin. Satan les tient. Parce qu'ils ne sont pas vrais, ils sont doubles, ils sont hypocrites. Et il est content. Ah oui, vous le verrez bien, un jour comme ça, ils vont se réjouir avec vous, l'autre jour, ils sont comme des barbes. Mais c'est vrai, frère, il faut vous examiner, c'est pas normal. Je ne peux pas être dans la maison du Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je ne suis pas bien, parce que moi, je ne vais pas te louer. Non, que je sois bien ou pas, je dois louer Dieu. Je suis venu dans un lieu, mais Seigneur, je connais ta capacité. J'ai des problèmes, j'ai des soucis, mais étant ici, tu es là, je suis sûr que mes soucis sont solutionnés. Autrement, pourquoi je viens? Pourquoi il me réprouver? Parce que c'est la foi, c'est dit qu'il n'est pas libre à la foi. Il dit que ce sont pas des gens qui n'ont pas la foi. Donc quand j'ai la foi, je viens, Seigneur, c'est sûr et certain, quand je sortirai, ah, je suis changé. Amen. Amen. C'est notre foi qui triomphe de ce monde. Amen. Et là, il dit, oh oui, il est très bien, il dit, mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi mon chemin vers ci, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que nous devons nous traiter vraiment durement, de manière à ce que nous puissions arriver, et comme cette femme-là, en donc plaisir aux choses de Dieu, et comme vous pouvez voir dans cet état dans lequel elle s'est trouvée, dans la douleur de l'enfantement, une femme, et puis qui se souvient, c'est un dragon qui survient. Et puis en plus, la femme était dans un état où il devait mettre au monde. Vous connaissez comment c'est. Donc quand ça se passe avec une femme qui est au monde, effectivement, ben, la force et tout ça. Mais ce n'est pas ton combat, toi. Toi, mets les choses de Dieu en pratique. Amen. Quand l'ennemi s'est déversera comme de les faire comme un fleuve, mais l'esprit est allé les mettre en fuite. Amen. Et on a vu effectivement que les dragons sont venus avec sa présence pour les diminuer, pour les détruire, effectivement, pour un enfant. Mais alors là, le Seigneur a envoyé donc. Amen. Sa puissance. Amen. Pour arriver à pouvoir elle-même aussi terrasser l'ennemi. Nous sommes dans un combat. Amen. Et dans ce combat-là, nous avons la victoire. Amen. Et comme le mur de Jéricho, il dit, mais vous y entrerez, si vous ne touchez à rien, vous continuerez à avoir le combat, la victoire, effectivement, dans tous les combats, parce qu'il devait combattre, en fait, les Amoréens, les Gargasiens, les Jébusiens, vous connaissez, non? Amen. Donc je voulais dire tout, je voulais dire effectivement, aussi longtemps que vous tenez, faites la fête, je serai avec vous. Amen. Et quand ils ont eu les manteaux, les chinales, le lingot d'or, effectivement, eh ben, la défaite est venue. Mm-hmm. Et pourtant la victoire était pour eux. C'est pour ça, je vous ai dit, c'est pas possible, Seigneur. Tu nous as dit que ces gens sont livrés à nous. Et comment ça se fait? La victoire pour toi est toujours là, mon frère. Amen. Là aussi, ma soeur, c'est vrai. Dans n'importe quelle situation, que les choses peuvent arriver à pouvoir se mettre. Et ça, n'oubliez jamais, mon frère et ma soeur. Ça, nous l'avons souvent entendu, mais n'oubliez pas. Il n'y a aucune situation qui soit plus difficile pour toi. Parce que chaque situation, grande, difficile soit-elle, le Seigneur savait d'être arrivé. Il avait déjà trouvé une solution pour toi. Il ne peut pas te laisser sans solution. Tu ne peux pas être sans travail, parce qu'il dit, à la sueur de ton front, tu gagneras ton pain. Donc toi, tu étudies pas pour être un chômeur. Non. Seigneur, j'étudie, quand je termine, je trouverai du travail. Amen.
Alléluia. Oui, mon frère, déterminé. Amen. Pas dit, mais ça, c'est pour moi. Amen. Puisque Dieu me l'a donné, alors je le prendrai. Amen. Amen. Oui, mon frère. Et pourquoi un fils de Dieu n'est pas comme, hey, mendiant, je ne sais pas comment ça va être demain. Non. Il m'a dit. Alléluia. Quel est lendemain? Oh. Tu feras sa paix. Amen. Amen. Je vais étudier. Il m'a dit, en toute chose, dans une tête, dit, mais je suis un secours. Amen. Qui ne manque pas. Amen. Au temps de la détresse. Amen. Seigneur, j'étais dans ta maison, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir beaucoup étudier. Mais quelle joie pour moi. Amen. Savoir que j'étais glorifié. Je vais aller étudier, Seigneur. La matière, tu la connais. C'est ton frère qui vous dit, tu connais. Mais tu es capable, mon roi. Je t'ai mis en avant, Seigneur. Tu m'as dit, tu ne seras jamais la queue, mais tu me la tais. Alors donne-moi l'intelligence. Et tout vient de lui, mon frère. Il te donnera. Ne va pas, je ne sais pas ce que je vais répondre. Pas le problème. Il te donnera à ce moment-là. Amen. 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 La vérité. Oh, mon frère et ma soeur. Nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Vous ne réalisez vraiment pas vraiment la grâce que nous avons. La taille, parfois, je pleure beaucoup quand je vois des frères avec mépris et qui regardent effectivement mon frère et ma soeur. Je ne vous parle pas de choses inventées historiques. Moi, depuis les jours où moi je crie au Seigneur, quand je commençais à voir, quand j'ai quitté l'université, effectivement, je n'ai pas manqué une fois l'église. Amen. Tous les jours, mon frère, personne ne me disait, frère Léonard, viens à l'église. Avec mon enfant, il dit, vous voulez raconter ici, non? Je n'ai pas parce que mon bébé, il ne même pas bien. Les poussettes que vous avez, c'est les poussettes. Ah non, vraiment des Rolls Royce. Hein? Moi, c'était avec des fils de fer ramassés. Morceaux ramassés, landau ramassé. J'ai lié avec les fils de fer. Je montais les trams avec lui. Je laissais les trams. Oui, monsieur. Les ventres sont bien pouponnés, hein? Carignan. Ah oui! Chaque jour de réunion, quand je vois des jeunes ici, oh, j'ai gros bouquin. J'ai fait l'université, frère. Les syllabus, je le connais. Oh, je ne viens pas parce que je dois étudier. Oh là là, monsieur. Hein? Moi, j'avais des examens, j'attendais les syllabus, mais j'étais rassemblé. Amen. On ne m'obligeait pas. J'ai voulu d'abord qu'il y ait encore beaucoup. D'ailleurs, tous les jours, j'avais réunion chez moi à la maison. Les gens venaient, on priait tous les jours jusqu'au jour de réunion. Donc, chaque jour. Personne ne m'oblige, votre soeur peut vous témoigner. Personne ne vous oblige. C'est chez moi, dans mon appartement, qu'elle a cru. Là, votre soeur. Ben oui, monsieur. Eh oui, c'est la vérité. Donc, évidemment, quand je vois les jeunes, quand je vois tout ça, frère, c'est vrai. Vous êtes en train de perdre votre temps, vous donnez un dessert, moi, c'est tout quand ils sont là, vous posez. Vous n'avez pas fait des signes d'insécurité. Soyez simplement ce que vous devez être. Amen. Comme un fils de Dieu. Comme une fille de Dieu, simplement placer Dieu d'abord. Oublions tout. Amen. Oublions tout. Amen. Elle a dit, Dieu va prendre. Amen. Déçu, effectivement. Amen. C'est cela que nous devons être conscients, comprendre que dans nos études, dans notre travail, un fils de Dieu, il sait une chose que la réussite, il l'a. Amen. Alléluia. Amen. Même si je pars, me dire, monsieur, vous n'avez pas réussi d'examiner, il n'y a pas de problème, Seigneur, je retourne à genoux. Amen. Celui-là, il m'a manqué ça, on ne m'a pas donné, mais je sais une chose. Amen. Que toi, tu veux que je réussisse. Amen. Alors accorde-moi la grâce, je veux me donner à toi. Tu vas dire, Seigneur, tu vois, mon frère, c'est vrai, quand même, j'allais tout le temps à l'assemblée, maintenant, qu'est-ce que ça produit, hein? Je priais, j'allais, puis qu'est-ce que ça produit? Oh là là, frère. Un papier avec des lettres, des chiffres que quelqu'un peut te mettre, tu l'amènes au décret de Dieu. Frère. Il y en a des ceux qui ont des diplômes étant des docteurs qui n'ont même pas un emploi. C'est la vérité, frère. Ils sont nombreux, ils pleurent parfois. Ils ont même été joueurs, des pilotes. Ils n'ont pas de travail. Ce n'est pas les diplômes qui font l'homme. Non. Ce qui fait ce que toi tu es, c'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. Nous avons appris les frères et sœurs dans ces barons, tu sais, le monde tremble à cause de vous. Parce que quand je parle de moi, j'ai des démons en fait, ils tremblent. Parce que vous ne connaissez pas ce que vous êtes. Ils tremblent effectivement, oui. Dans les épreuves dans lesquelles nous traversons, oui. Nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Vous savez, avec votre sœur, j'étais avec elle parce que vous savez qu'elle a été donc opérée, vous vous souvenez, non? Mm-hmm. Alors on lui avait donné un rendez-vous parce que le médecin voulait voir en réalité les rapports avec l'opération qu'il a eu à pouvoir faire, s'il fallait encore, parce qu'il voulait en fait voir effectivement encore. Alors il est allé. Le premier médecin qui a eu à pouvoir l'opérer, je vous l'ai expliqué ici, que je n'étais pas là, parce que je n'étais pas bien, c'était pas bien. C'était un médecin qui était donc spécialiste en fait dans ce genre de situation pour arriver à pouvoir faire cette intervention chirurgicale. Bon, maintenant, et quand il est parti, et c'est un autre médecin qui le reçoit. Je l'ai donc accompagné, je me suis tenu là. Et puis, le médecin lui dit, bon voilà, madame, je pense que comme on voit l'état, on avait fait, maintenant je pense qu'on doit encore voir, en principe, on doit encore faire une autre intervention chirurgicale. Alors, il dit c'est moi, puis la date, effectivement, il dit c'est moi qui prends donc c'est moi qui vais le faire, ainsi de suite. Alors on est sorti, on est allé à la réception, parce qu'il devait payer effectivement la consultation. Et je l'ai regardé, et puis. La dame, la secrétaire de médecin, maintenant elle prenait donc avec le docteur qui venait déposer dans mes dossiers, donc le docteur Conflamine, je ne vais pas citer le nom, enfin bon. Ce médecin vient, il dit voilà, prendre la date pour madame, elle doit venir à jeun, on doit faire sa cible, être hospitalisée pour ça, puis monter la date effectivement. Alors je l'ai regardé, et la dame a pris les dates. Et puis elle pose, quand le médecin est parti, elle pose la question au secrétaire du médecin. Il dit, mais oh, le médecin ici, il est spécialiste dans ce genre de choses. La dame, gentille, il dit, non, il se cherche encore. Ah. Alors, il dit, donc, il n'est pas spécialiste. Il dit, non, il n'est pas spécialiste. Alors, il demande, alors, le docteur tel là, il dit, qu'il avait fait l'intervention avant, il dit, mais si ce docteur là, il n'est pas là. Il dit, mais comme les dates qu'on t'a données ici, ce docteur-là, celui-là, il est spécialiste effectivement parce qu'il est professeur de la douleur. Mais il ne sera pas là et puis il ne pourra pas intervenir sur toi. Alors il dit, mais quelles sont les dates qui sont? Elle dit, mais madame, mais quand on voit comme le docteur, il s'est appris à sa date, il fait, c'est pour que lui intervienne sur toi avec le docteur, mais celui-là ne sera pas là. Je l'ai regardé, je l'ai observé. Et puis, je voyais qu'il était quand même triste. Dieu est merveilleux. Amen. Alors, le docteur qu'elle voulait, que ce soit le docteur qui puisse l'intervenir, parce qu'il est spécialiste dans la matière, il ne voulait pas que, effectivement, que quelqu'un d'autre, comme c'est lui qui tâtonne, effectivement, parce que c'est délicat, puisse arriver à pouvoir faire cela. Bon, la dame dit, écoutez, madame, on ne sait pas faire autrement, le médecin ici qui vous a examiné, il va le faire. L'autre-là ne pourra pas le faire. Mais on sait que l'autre spécialiste, mais il sera très occupé, il ne pourra pas le faire pour toi. Et voilà que nous étions là, elle était tellement comme ça. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qu'on voit? Le docteur qu'elle voulait. Elle vient à la réception pour voir. Je cherche un dossier là, effectivement, qui est déplacé, mettre là. Et puis tout d'un coup, elle sort simplement calmement, gentiment, dit, bonjour docteur, c'est sur son nom. Et puis le docteur regarde, il dit, bonjour madame. Et puis il dit, vous souvenez de moi? Il dit, ah oui, vous êtes la dame que j'ai opérée il y a un mois, je crois. Il dit, oui. Parce que quand le docteur est venu, je l'ai réalisé, mais ce docteur, il est pas le docteur. Et puis votre soeur se lève simplement, dit, bonjour docteur. Il te dit, oui, madame, vous m'avez opéré, vous vous souvenez? Il dit, oui, je vous ai opéré. Au lieu de dire, docteur, j'ai besoin que vous m'opérez encore parce que l'autre là, je ne le veux pas, il est incompétent, il est ici et cela. Vous voyez comment on peut fabriquer les choses, pas bien fabriquer les choses. Non, votre soeur, vous m'avez opéré. Je vous dis comme ça, vous m'avez opéré. Le docteur dit, oui, je me souviens. Oui. Puis le docteur dit, ah, au revoir, madame. Il dit, au revoir, docteur. Je regarde votre soeur. Et puis bon, il dit bon, on retourne chez la dame là, il donne le rendez-vous avec toujours le médecin qu'il ne voulait pas. J'ai dit bon, et on y va, on est en train de partir avec votre soeur. J'ai envoyé la petite, j'ai dit oui, ici. Alors on descend. En bas, quand j'avais mis ma voiture dans le parking, je descends dans l'ascenseur, j'entends, mon téléphone sonne. J'entends, allô, madame Caboué, je dis non. C'est M. le fils, c'est le bon Mme Cabri. Il dit, madame, bon, voilà, monsieur, je vais vous dire une chose. Il dit,
Oui, madame, je suis la secrétaire de l'hôpital dont vous venez maintenant. J'ai dit, qu'y a-t-il? Il dit, bon, j'ai une nouvelle. J'ai dit, laquelle? Il dit, vous savez quoi? Les docteurs Sermon. Oui, il s'appelle Sermon en plus. Parce que votre soeur a tellement les sermons. Oui, c'est vrai, les docteurs s'appellent docteur Sermon. Alors il dit, monsieur, les docteurs Sermon, quand vous êtes parti, il est allé voir le docteur Vlamis. Il dit, non. Moi, je ne veux pas que vous vous touchiez cette dame. C'est moi qui vais toucher la dame. Je change la date. Donc, sa date de ceci, moi, je la mets là. Et c'est moi qui dois maintenant prendre effectivement la personne. Alors, je la regarde, j'ai dit, madame, le Seigneur t'aime beaucoup. Donc, voyez-vous, elle n'a rien dit. J'ai dit, mais tu te souviens de Marie? Tu te souviens de Marie? Elle a simplement dit au Seigneur, ils n'ont plus de vin. La chose est très bien. Tu n'as pas su exprimer, tu as agressé ma docteur. Docteur, et puis docteur est parti, tu as travaillé. Docteur n'était plus tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, il dit, ma fille, là, toi. Et c'est comme cela que les choses ont été changées. Notre Seigneur est bon. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Il défend notre corps. Il intervient quand vous ne le savez pas. Il agit dans le dossier alors que vous dormez. Nous devons avoir confiance. Amen. Et considérer ça. Amen. Précieux Sauveur, ce soir encore une fois, nous voulons te dire merci. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Nous voulons vraiment considérer ce que tu es pour nous, Père. Quel autre ange est au ciel que toi? Sur la terre, nous prenons plaisir dans toi, Père. Voici avec ce peuple qui est à toi aujourd'hui, Seigneur Dieu qui est là, ceux qui sont aussi connectés dans différents endroits, Père qui se conserve, Père qui se considère comme étant aussi, en faisant partie de ce peuple, ces lieux, Père. Je prie pour chacun de nous, Père. Tu es vraiment notre Seigneur, tu es vraiment notre Dieu. Il y a moins de bon que toi, mon maître, Seigneur. Je te remercie vraiment, tu prends soin de nous. Dans tout le moindre détail, pour voir que tu peux même changer le cœur des hommes. Seigneur, leur faire tourner. Seigneur, c'est un miracle ce que tu fais. Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu fais. Accorde-nous encore la grâce d'être conscient de regarder, de réaliser encore davantage ce que toi, Seigneur, tu es en train de pouvoir faire avec nous. Et comment tu veux agir encore davantage pour nous, Père. Soutiens-nous encore, mon roi. Nous sommes heureux d'être à toi. Nous considérons réellement cette grâce que tu nous as accordée, Père, comme étant une grâce merveilleuse pour moi, dans un temps aussi ténèbre, Père, et comme nous pouvons le voir bien le système de ce monde se met en place, Père, mais vaut davantage nous accrocher à toi et vraiment te servir encore avec beaucoup de zèle pour les mêmes personnes et aussi avec un cœur, sachant que maintenant que même si les épreuves surgissaient, Seigneur, que tu es notre Dieu qui nous soutient encore, Père, et notre Dieu qui nous fortifie encore pour toi. Oh Dieu, tu es celui que nous la victoire, Père. Nous rendons gloire à ton nom encore aujourd'hui, Père. Ce peuple, vraiment un peuple qui est à toi. Et nous te supplions, Seigneur, de pouvoir nous aider, mon béni, mon Père puissant. Oh, mon sauveur béni. Aide-nous encore aujourd'hui, Père puissant. Car, Seigneur, le jour commence à être défini, mon Seigneur. Nous voulons vraiment, mon Père, revenir à toi. Oh Dieu, que tu vas encore ton œuvre dans mon frère, ton œuvre dans ma soeur, ton œuvre encore dans nos enfants, Seigneur. Nous voulons prendre conscience de ce que nous sommes, mon Seigneur, mon Père, mon Dieu. Et que tu puisses encore agir encore parmi nos pères, et davantage encore plus profond. Seigneur, nous ne voulons plus de ce monde pour toi. Il n'y a rien dans ces moments qui soit tellement important pour nous faire. Oh Dieu, nous avons beaucoup marché avec toi. Dieu, nous avons été à gauche et à droite, nous n'avons rien trouvé. Mais nous avons été à l'émission. Mais toi, tu nous as réellement trouvé, Seigneur. Et tu fais connaître aussi à nous, mon roi. Nous suivons là aussi, nous aider, Père, à prendre conscience, mon béni, mon Père, à savoir que tu vis, à savoir que tu restes, à savoir que tu domines, Père. Bénis tes serviteurs, mon Père. Souviens-toi de mon béni, mon frère, Seigneur, mon frère Bernard, Père, soutien et ramené. Mon frère, mon frère, le livre, mon épargne, mon frère, Daniel, je n'ai pas le Seigneur, tous tes enfants, mon frère, mon récord, mon récord, mon récord, mon récord, mon frère, Seigneur, tu connais tes serviteurs de par le monde entier aujourd'hui, Père. Je suis encouragé et le soutenir, Père. Nous sommes conscients de ce que nous faisons, Père. Oh Dieu, tout l'amour en notre endroit. Oui, nous continuerons à marcher avec toi, à te servir encore aujourd'hui. Puisque hier encore, Père, nous avons besoin de marcher avec toi, Père. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur. Oh Dieu, souviens-toi des enfants qui ont aussi des mises à l'école, Père. Je suis vraiment les protéger. Et ceux qui sont là.
à mes pères, pour donner la grâce au roi. Et j'ai aussi fortifié mon bénévole verset. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié encore ce soir. Comme nous avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse richement.